Ladies and gentlemen, General, Admiral, General Erzik, gentlemen. I personally knew Bill Bailey. He was my commander at one time before Colonel Abrams. Bill Bailey, as was mentioned, was killed in action here by an artillery fragment on the 14th of September 1944. While in command of the famous 704th Tank Destroyer Battalion, which had the M18 Hellcat vehicle. Captain Bailey, as was I, a National Guard tanker before the war, and we were activated as tankers and brought into the regular army early in the war. Bailey was from the 29th Tank Battalion of the Virginia Maryland National Guard. And he brought that 29th Tank Battalion to Fort Meade, Maryland. And there he joined other units from New York, the 27th Tank Battalion, Massachusetts, the 26th Tank Battalion, and the 43rd from Connecticut. These four tank battalions, tank companies, I should say, became part of the 191st Tank Battalion, of which Bill joined at Fort Meade. Sometime later, Bill was transferred to the 4th Armored Division, 4th Division Blindée. And he became a member of the 2nd Battalion of the 37th Armored Regiment, of which I have the honor of being the honorary colonel. In October 43, we reorganized the division, and Bailey became then the 35th Tank Battalion commander, and subsequently, we don't know why, but he became the 704th Tank Battalion, TD Battalion commander. He was a great personal friend, a courageous commander, and I had the pleasure of serving with him, and I must have rode in the back of his Jeep over 1,000 miles in the Mojave Desert when we were training in the Mojave Desert. His daughter, Ann Bailey Brackett, sends her warm regards to you, Mr. Mayor, General, Admiral, General Erzik. She lives in Charleston, South Carolina, the daughter does, and sends her warmest regards to all present for making this ceremony present. And I say, may God bless the memory of this great soldier, Bill Bailey. Bon, je vais donc traduire une partie de ce que vient de dire le général Nitsch. Il est certain qu'il serait trop long d'énumérer les différents bataillons dans lesquels cet officier a cheminé avant d'atterrir au 704 TD. Il s'agit donc du lieutenant-colonel Bill Alston Bailey, qui perdit la vie lors d'un bombardement de mortier, ici même, le 18 septembre 1944. Il était le commandant donc, du 704e TD. Le capitaine Bailey avait appartenu avant la guerre aux blindés de la garde nationale, c'était son début. Et à ce moment-là, le général Leach n'était qu'un chef de char avec le grade de sergent à la 36e compagnie de la 36e division d'infanterie. Souvent les blindés à cette époque-là n'étaient pas en unité constituée, ils appartenaient à des unités, à des divisions d'infanterie. C'était la Texas Division. Il arrivait dans le service actif en février 1944 en qualité de commandant de la 29e compagnie de char et donc de la 29e division d'infanterie de Virginie et du Maryland. Il fut affecté à Fort Meade en qualité d'officier au 191e bataillon avec lequel il a créé, des compagnies provenant du 27e régiment de New York, du 26e du Massachusetts, du 29e de Virginie et du 43e du Connecticut.
En 1942, Bill Bailey fut transféré au 2e bataillon du 37e régiment blindé de la 4e division blindée, qui était alors en formation à Pine Camp. Lorsque j'ai rejoint le régiment en 1942, il était le numéro 2 du bataillon au moment des manœuvres qui se déroulèrent au Tennessee. Il devint ensuite le chef de bataillon du 37e régiment qui devint à son tour le 37e bataillon de chars dans lequel le général Lichesif Pazan fit la plupart des combats en France et en Europe. Le lieutenant-colonel Bailey fut chargé du commandement du 35e bataillon et curieusement, Bill Bailey fut transféré au 35e bataillon du 704 TD. C'est à la tête de cette unité qu'il perdit la vie ici même, alors qu'il inspectait son dispositif de première ligne. La première ligne se trouvant, il n'y avait aucune maison ici, c'était des champs à cette époque-là. Il était l'un de mes grands amis personnels et il était un commandant courageux. J'ai eu le privilège de servir en qualité d'officier de transmission pendant 8 mois sous ses ordres. Sa fille Anne Bailey réside à Charlotte, en Caroline du Sud, et elle adresse à tous ses souhaits, ainsi qu'au président voisin, enfin c'est moi, ainsi qu'à tous ceux qui lui rendent hommage en ce jour. Que Dieu garde sa mémoire, général de brigade James H. Leach.